To do the dishes, faire la vaisselle. You can also say laver la vaisselle, to wash the dishes. You turn on the tap, vous ouvrez le robinet, and the water flows, et l'eau coule. You wash dishes with a dish mop, vous lavez avec une lavette. The word for spoon, une cuillère. Venez, c'est ici que vous allez travailler. Ben, venez. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez faire la vaisselle. Et qu'est-ce que je vais faire avec la vaisselle? Vous allez la laver. Et faites attention aux assiettes, il ne faut pas casser les assiettes, hein? Il ne faut pas casser les assiettes. Bon, allez-y. Je dois laver tout ça. Ben oui, tout ça. Les verres, les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Et les assiettes. Et comment, madame? À quoi comment? Vous mettez de l'eau dans l'évier? Ben, vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Et ensuite, vous mettez la vaisselle dans l'eau. Hein? Vous prenez la lavette et vous la lavez avec la lavette. Voilà. Avec la lavette, oui. Et je dois mettre toute la vaisselle dans l'eau? Toute la vaisselle. Toutes les assiettes? Toutes les assiettes. D'accord. Faire la vaisselle, to do the dishes. Une cuillère, a spoon. Ouvrir le robinet, to turn on a tap. L'eau coule, the water flows. The word for food, la nourriture, related to the English nourishment. A slice of toast, une tranche de pain grillé. Two eggs on toast, deux œufs sur pain grillé. To fill the sink, remplir l'évier. To empty the sink, pull out the plug. Enlever le bouchon. Bouchon also means the cork of a bottle. Soap is le savon. Dishwashing liquid, le savon liquide. Or, le liquide à vaisselle. Pas les assiettes avec la nourriture! Il faut pas laver la nourriture. Voilà un de vos œufs, madame. Les assiettes avec la nourriture viennent de la cuisine d'en bas. Il y a une cuisine en bas? Oui. Encore deux œufs sur pain grillé. Et je donne les assiettes avec la nourriture aux clients dans le restaurant. Et quand les clients ont fini de manger, je reviens avec les assiettes sales et vous les lavez. Oui, je sais. Je mets les assiettes sales dans l'eau. Mais changez l'eau d'abord. Il y a des œufs et du pain grillé. Yark! Changez l'eau. D'accord. Pas comme ça! Enlevez le bouchon! Ah! Enlevez le bouchon! Et maintenant? Il faut remplir l'évier. Remplir avec quoi? Avec de l'eau. Ah oui, oui, oui! J'ouvre le robinet. L'eau coule. Je remplis l'évier. Je mets les assiettes. Il ne faut pas casser les assiettes. Je lave avec la lavette. Vous avez oublié quelque chose. Wow. Le savon liquide. Mettez du savon liquide dans l'eau. Bon, je reviens tout de suite. La nourriture, food. Deux œufs sur pain grillé, two eggs on toast. Enlever le bouchon, to pull out the plug. Remplir l'évier, to fill the sink. French fries, des frites, short for des pommes de terre frites. Fried potatoes. Hot dogs are the same in French. Hot dogs, like hamburgers, hamburgers. A bubble, une bulle. A soap bubble, une bulle de savon. A dishcloth, un torchon. Torchon also means a floor cloth or duster. To wipe, essuyer. To dry the dishes, essuyer la vaisselle. Trois frites, deux hot dogs! Quoi? Vous n'avez plus d'assiettes? D'accord. Donnez-moi cinq assiettes.
voilà. Pas des assiettes sales, des assiettes propres dans l'évier. Des assiettes propres. Voilà. Pour lever les bulles de savon. Vous ne voulez pas les bulles de savon? D'accord. Pfff. Avec le torchon. Ah oui, le torchon, merci. Essuyez avec le torchon. Essuyez. Donnez-moi ça, je vais essuyer la vaisselle moi-même, hein? Il ne faut pas casser les assiettes, madame. Des frites, french fries, une bulle de savon, a soap bubble, un torchon, a dishcloth. Essuyez la vaisselle to dry the dishes. Now, here's the complete sketch again. Venez, c'est ici que vous allez travailler. Ben, venez. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez faire la vaisselle. Et qu'est-ce que je vais faire avec la vaisselle? Vous allez la laver. Et faites attention aux assiettes, il faut pas casser les assiettes, hein? Il ne faut pas casser les assiettes. Bon, allez-y. Je dois laver tout ça. Ben oui, tout ça. Les verres, les couteaux, les fourchettes et les cuillères, et les assiettes. Et comment, madame? Ben quoi, comment? Vous mettez de l'eau dans l'évier? Ben, vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Et ensuite, vous mettez la vaisselle dans l'eau. Hein? Vous prenez la lavette et vous la lavez avec la lavette. Voilà. Avec la lavette, oui. Et je dois mettre toute la vaisselle dans l'eau? Toute la vaisselle. Toutes les assiettes? Toutes les assiettes. D'accord. Pas les assiettes avec la nourriture! Il faut pas laver la nourriture. Voilà un de vos œufs, madame. Les assiettes avec la nourriture viennent de la cuisine d'en bas. Il y a une cuisine en bas? Oui. Encore deux œufs sur pain grillé. Et je donne les assiettes avec la nourriture aux clients dans le restaurant. Et quand les clients ont fini de manger, je reviens avec les assiettes sales et vous les lavez. Oui, je sais. Je mets les assiettes sales dans l'eau. Changez l'eau d'abord. Il y a des œufs et du pain grillé. Yeah! Changez l'eau. D'accord. Pas comme ça! Enlevez le bouchon! Ah! Enlevez le bouchon! Et maintenant? Il faut remplir l'évier. Remplir avec quoi? Avec de l'eau. Ah oui, oui, oui! J'ouvre le robinet. L'eau coule. Je remplis l'évier. Je mets les assiettes. Je ne vais pas casser les assiettes. Je lave avec la lavette. Vous avez oublié quelque chose. Quoi? Le savon liquide. Mettez du savon liquide dans l'eau. Bon, je reviens tout de suite. Des assiettes sales, des assiettes propres dans l'évier. Des assiettes propres. Voilà. Pour lever les bulles de savon. Vous ne voulez pas les bulles de savon? D'accord. Pfff. Avec le torchon. Ah oui, le torchon, merci. Essuyez avec le torchon. Essuyez. Donnez-moi ça, je vais essuyer la vaisselle moi-même, hein? Il ne faut pas casser les assiettes, madame. The police station, le commissariat de police. The place where the police superintendent, le commissaire, has his office.
To go to prison or jail, aller en prison. To escape from prison, s'évader de prison. I've caught you at it. Je vous y prends. You can't fool me. Je ne me laisse pas avoir. A prison cell, une cellule. That's where we put criminals, les criminels. You're drunk. Vous êtes ivre. You've been drinking. Vous avez bu. Walk the white line. Marchez sur la ligne blanche. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur l'agent. Maintenant que vous êtes arrivé, je peux aller manger. Enfin! Oui, monsieur le commissaire. Et vous allez garder le commissariat, monsieur l'agent? Oui, monsieur le commissaire. Bon. Je vous y prends. Vous essayez de vous évader de prison? M'évader de prison? Sortir. Sortir de la cellule. Je ne veux pas sortir, je veux entrer dans la cellule. Bien sûr, tous les criminels veulent aller en prison. Oui, je veux dormir. Évidemment, tous les criminels aiment dormir en prison. Ah oui? C'est intéressant, ça. Je ne me laisse pas avoir. Je peux aller dormir maintenant. Vous êtes ivre? Ivre? Vous avez bu? Non, je n'ai pas bu. On va voir si vous êtes ivre ou pas. Vous allez marcher sur cette ligne blanche. Je peux marcher sur la petite ligne blanche, oui. Allez-y. Aller en prison. To go to prison. S'évader de prison. To escape from prison. Je vous y prends. I caught you at it. Je ne me laisse pas avoir. You can't fool me. Vous êtes ivre. You're drunk. A balloon. Un ballon. To blow. Souffler. To blow into the balloon, souffler dans le ballon. To burst the balloon, crever le ballon. I warn you, je vous préviens. From the verb prévenir. To play the fool, faire des bêtises. Bête means foolish or stupid. Fingerprints, des empreintes digitales. Digital imprints. Je ne me laisse pas avoir. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon pour mesurer l'alcool. Ah, on va jouer au ballon? Non! Vous allez souffler dans le ballon. Souffler dans le ballon. Et on va voir si vous avez bu ou pas. Ça suffit. Ça suffit! Ça suffit! J'ai crevé, ballon! Je l'ai crevé! Je vous préviens, il ne faut pas faire de bêtises. Donnez-moi votre doigt. Mettez votre doigt ici. Qu'est-ce que vous faites? Je prends vos empreintes digitales. Les empreintes de vos doigts. Oh, c'est amusant! Je peux faire l'autre main aussi. Soufflez dans le ballon. To blow into the balloon. Je vous préviens. I warn you. Faire des bêtises. To play the fool. Des empreintes digitales. Fingerprints. You're crazy. Vous êtes fou. You've committed a crime. Vous avez commis un crime. To steal, voler. I haven't attacked anyone. Je n'ai attaqué personne. Handcuffs, les menottes. To prevent, empêcher. I prevented the prisoner from escaping. J'ai empêché le prisonnier de s'évader. I haven't had. Je n'ai pas eu. I haven't had a prisoner in this cell for 3 months. Je n'ai pas eu de prisonnier dans cette cellule depuis 3 mois. Since 3 months. Vous n'êtes pas ivre? Ou bien vous êtes fou? Je ne suis pas fou! Ou bien vous êtes... un criminel très dangereux. Pardon, que dites-vous? Quel crime avez-vous commis? Je n'ai pas commis de crime. Vous n'avez pas commis de crime. Bien sûr, tous les criminels disent ça. Je veux seulement de... Vous avez volé quelque chose? Non, je n'ai rien volé. Vous avez attaqué quelqu'un? Non, je n'ai attaqué personne. Oh. Voulez-vous que je vous attaque? Non, non, non. Donnez-moi vos mains. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des menottes. Mettez vos mains dedans. Oui. Oh, les menottes sont trop petites. Mais non, pas comme ça. Une à la fois. Regardez, une main, deux mains. Ah oui. Vous comprenez? Oh, je comprends. Alors, mettez-les. La clé. Dans ma poche. Pouvez-vous m'aider à la sortir?
Ah oui, oui, bien sûr, la clé dans la poche. Non, mais, et que se passe-t-il, monsieur l'agent? Monsieur le commissaire, j'ai empêché le prisonnier de s'évader. Quel prisonnier? Votre prisonnier, je l'ai empêché. Je n'ai pas eu de prisonnier dans cette cellule depuis 3 mois! Je vous ai dit que je voulais seulement dormir. Vous avez commis un crime. You've committed a crime. Voler, to steal. Empêcher, to prevent. Je n'ai pas eu, I haven't had. Now, here's the complete sketch again. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur l'agent. Maintenant que vous êtes arrivé, je peux aller manger. Enfin! Oui, monsieur le commissaire. Et vous allez garder le commissariat, monsieur l'agent? Oui, monsieur le commissaire. Bon. Je vous y prends. Vous essayez de vous évader de prison? M'évader de prison? Sortir. Sortir de la cellule. Je veux pas sortir, je veux entrer dans la cellule. Bien sûr, tous les criminels veulent aller en prison. Oui, je veux dormir. Évidemment, tous les criminels aiment dormir en prison. Ah oui? C'est intéressant, ça. Je ne me laisse pas avoir. Je peux aller dormir maintenant. Vous êtes ivre? Ivre? Vous avez bu? Non, je n'ai pas bu. On va voir si vous êtes ivre ou pas. Vous allez marcher sur cette ligne blanche. Je peux marcher sur la petite ligne blanche, oui. Allez-y. Je ne me laisse pas avoir. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon pour mesurer l'alcool. Ah, on va jouer au ballon? Non! Vous allez souffler dans le ballon. Souffler dans le ballon. Et on va voir si vous avez bu ou pas. Ça suffit. Ça suffit! Ça suffit. J'ai crevé, ballon, je l'ai crevé. Je vous préviens, il ne faut pas faire de bêtises. Donnez-moi votre doigt. Mettez votre doigt ici. Qu'est-ce que vous faites? Je prends vos empreintes digitales. Les empreintes de vos doigts. Oh, c'est amusant. Je peux faire l'autre main aussi. Vous n'êtes pas ivre? Ou bien vous êtes fou? Je ne suis pas fou. Ou bien vous êtes... un criminel très dangereux. Pardon, que dites-vous? Quel crime avez-vous commis? Je n'ai pas commis de crime. Vous n'avez pas commis de crime. Bien sûr, tous les criminels disent ça. Je veux seulement de... Vous avez volé quelque chose. Non, je n'ai rien volé. Vous avez attaqué quelqu'un. Non, je n'ai attaqué personne. Hein? Voulez-vous que je vous attaque? Non, non, non. Donnez-moi vos mains. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des menottes. Mettez vos mains dedans. Oui. Oh, les menottes sont trop petites. Mais non, pas comme ça. Une à la fois. Regardez, une main, deux mains. Ah oui. Vous comprenez? Oh, je comprends. Alors, mettez-les. La clé. Dans ma poche. Pouvez-vous m'aider à la sortir? Ah oui, oui, bien sûr. La clé dans la poche. Et que se passe-t-il, monsieur l'agent? Monsieur le commissaire, j'ai empêché le prisonnier de s'évader. Quel prisonnier? Votre prisonnier, je l'ai empêché. Mais je n'ai pas eu de prisonnier dans cette cellule depuis 3 mois! Je vous ai dit que je voulais seulement dormir.